La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au +237 678 78 16 21, +237 242 00 20 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ils sont là? Ils veulent passer à l'attouchement? Ils sont concernés par les interpellations? Hein? Ils sont concernés par les interpellations? Hein? C'est quoi? Dominateur là. C'est toi qui appelais les, qui interpelle les gens, non? Oui. Avec ton équipe. Oui. Voilà ceux qui sont en ligne là, ceux qui sont connectés là. Depuis la Suisse, les États-Unis. Aka, tous savent qu'ils sont dans mon, ils étaient dans mon emprisonnement. Ils étaient. Oui. Et ils sont encore. Remonte-les à l'écran là. Tu sais pourquoi j'ai dit ils étaient? Dis. Parce qu'ils ont trouvé le vrai chemin. Comme ça. Et maintenant la main est encore là. Ta main, la main invisible le tient encore. Voilà. Hein? Là? 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 Oui. Ah, la diagonale, si, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Demande-le où est leur foi. Le couple Zijem. Où est votre foi? C'est la question qui vous est posée. Le couple Zichem, où est votre foi? Oui. C'est la question qui vous est posée. Ma foi est inébranlable. Voilà, tu as compris la réponse? Ça, c'est la bouche. Et un autre petit pion qui est tourment. C'est qui? Pour notre petit pion demande qui c'est. Il fait partie des nôtres parce que personne ne l'a appelé. Et il fait ça par l'apparence. C'est lui qui est tout mort. Donc, qui? Bon script. Ne me pose pas les questions. Je parle même déjà assez. Tu dis? Il dit qu'alors qu'il est élu, mais il n'est pas appelé. Et à cause de l'appel, il nous a rejoints. Hein? Et ils tourmentent leur foi. Oui. Tu es qui? Ici, toi, tu es qui? Moi. Oui. Je suis la belle vie. Okay. Ouais. Je suis là partout dans leur vie. Je ne peux pas manquer. Moi. Tout commence par moi. La belle vie. Quand tu as déjà la belle vie, quand tu as déjà légère comme ça, c'est comme ça que la main te tienne. Tout ça. Ok, et les autres, ça c'est Marwa ou Garwa? Garwa. Garwa, voilà. Bonjour. Bonjour papa. Comment ça va? Très bien. Et là-bas, Bâle en Suisse, comment ça va? Inébranlable, intact, plus que jamais. Ok. Le Seigneur vous bénit. Le couple si est éprouvé. Le couple Zichem est éprouvé dans leur foi. Il y a une petite turbulence. C'est beau, votre beau-fils là. C'est un élu de Dieu. Mais il n'est pas appelé pour le ministère. Il est un élu de Dieu. Il y a une différence entre élu et appelé pour le ministère. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Appelés au ministère, c'est ça qui le trouble maintenant là. Et ça vous trouble aussi. À cause des derniers événements qui ont eu lieu là. Et
son mécontentement et machin, tout ça là. Et je voulais même vous préciser que quand on a cherché la vidéo qui avait été envoyée dans nos services ici là, on a trouvé ça dans sa propre page. La vidéo là est dans sa page. Si vous entrez dans sa page, vous allez voir la même vidéo. Parce qu'avant d'en parler même ici là, on avait d'abord vu ça dans sa page. Ça a mis long avec, ça a mis long au bureau avant qu'on ne voit ça. On voulait vérifier d'où ça venait. Et on a vu que c'était même dans sa page. Donc la personne qui a envoyé peut-être a pris ça dans sa page aussi. Et nous a envoyé ça. Donc lui-même, il avait publié ça. Donc ce n'est pas, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Maman Zissième, tu entends, non? Parce que c'est toi qui étais beaucoup plus soucieuse. Parce que je comprends maintenant pourquoi, je ne sais pas si vous m'entendez là-bas. Je oui, on te comprend. On t'entend. Face à cette situation, là, je suis vraiment troublé. J'ai même écrit au chef de la communication. Fais m'expliquer. Parce que quand j'étais là, ces mêmes esprits ont parlé autrement. Quand j'ai deux versions des esprits, ça commence à me troubler. Je ne connais pas quelle version. Quand moi-même j'étais là, c'est ça que je t'explique là maintenant. On parlait autrement. À papa Olivier de rentrer un peu sur ma vidéo et de faire la comparaison qu'on m'explique réellement. Attends, madame Zichem, ne fais pas la confusion entre appel et élu. Appel et élu, c'est deux choses différentes. Appel et élu. Quand on est élu, ça veut dire qu'on est enfant de Dieu. On est chrétien. Appelé, ça c'est pour faire un ministère spécifique, particulier. C'est ça que ton beau-fils là n'a pas. Et c'est ce que... je n'ai même pas regardé encore... je n'ai plus regardé les vidéos qui concernaient ta délivrance ici. J'aurai le temps de réécouter ça, de regarder ça. Mais voilà ce qui ressort. Il est un élu de Dieu, mais il n'est pas appelé à faire un ministère. Parce que si c'était le cas, il n'allait pas tomber en les mains de ces faux prophètes qui lui donnent la pourpère spirituelle, John Shee, qui est un faux prophète. Donc c'est ça le problème qu'il faut que vous compreniez. Cette situation-là vous a déstabilisé. Très grave, très gravement même, ça vous a déstabilisé. Donc vous n'avez pas besoin de vous faire des soucis par rapport à ça. J'espère que c'est compris. Ne vous faites pas des soucis par rapport à ça. Et priez pour lui. Il ne doit pas s'engager dans l'histoire de ministère. Vous-même, allez dans sa page Facebook et regardez la vidéo là. Et vous allez voir comment on lui donne comme père spirituel, John Shee, c'est dans sa propre page. Vous comprenez? J'ai suivi l'intervention de monsieur Zichem, qui dit que c'est Rick Delors qui aurait envoyé ça. On ne sait pas. Mais je vous dis que la vidéo-là est dans sa propre page. Quand vous finissez avec nous maintenant, là, essayez de cliquer sa page Facebook, vous allez voir. Circulez ça, vous allez voir comment... Il a fait publier ça. Je peux dire quelque chose? Oui. Oui, le fondement, c'est que quoi? Vous vous souvenez que c'est cet enfant qui nous avait envoyé, qui nous a connecté au tabernacle de la liberté. Et lui, avait envoyé le lien à sa belle, à ma femme. Uh-huh. Et c'est comme ça qu'on se retrouve au tabernacle de la liberté. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que lui-même là ne croit même plus au tabernacle de la liberté. Il n'y croit pas du tout. Même quand tu es rentré avec la petite Laetitia, il a dit qu'il ne croit pas. Même il y a beaucoup de choses. On ne peut pas prendre le temps de. Il ne croit pas. Qui ne croit pas? Il est choqué que ces choses se retrouvent au tabernacle. Mais moi, de toute façon, pour ce qui me concerne, ça ne me branle même pas un peu. C'est ton choix. C'est ton choix. Et chacun compte dans son pouvoir. Moi, ça ne me branle pas. Mais nous avons la relation de beau-père, beau-fils.
Je n'ai pas compris qui dit que qui ne croit pas. Hein? Le beau-fils. En qui les a connectés au tabernacle? Son beau-fils. Il ne croit pas. Uh-huh. Oui, s'il ne croit plus au tabernacle, alors qui vous a, c'est lui qui vous a connecté au tabernacle avant. Comprenez donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va plus avec lui. Il y a quelque chose qui ne va plus. Parce que si vous êtes connecté au tabernacle, c'est parce qu'il croyait au tabernacle. Si maintenant là, il ne croit plus, c'est que quelque chose ne va plus avec lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Mmh. Donc, ne soyez pas ébranlés par rapport à ça. Je ne m'ébranle même pas du tout. Ma foi est intacte. Hein? Voilà. Ne soyez pas ébranlés. Ne soyez pas ébranlés. Uh-huh. Et l'intention même de la personne en envoyant la vidéo, c'était pour qu'on prie pour lui. Ce n'était pas pour le dénoncer ou quoi que ce soit. Parce qu'on voyait qu'il a pris un virement qui n'est pas bien avec les faux prophètes là. Donc c'était dans cette intention là. Et c'est ça qu'on a fait le jour là. Vous regardez ça, vous allez voir. C'était pour prier pour lui. Comme c'est notre devoir. Pour tout le monde ici, on prie pour ceux qui sont en danger ou qui sont en train de vouloir glisser. On prie pour eux. Donc c'était ça. Donc gardez votre paix. Hein? Gardez votre paix, monsieur Zichem. Voilà. Et je vois ton ventre, c'est ça que tu nous postes là? Hein? Ida, oui, papa. Je vois ton ventre. Papa. Tu nous postes ton ventre. Tu accouches quand? Ok. Tu accouches quand? En octobre. En octobre. Dans bientôt. Voilà. Bientôt. Hein? La maman est là. La maman est là, hein? Au séminaire. Oui, je sais qu'elle est là. Ok, d'accord. Ton mari est où? Il est à la maison, moi je suis au travail. Ah, tu es en train de travailler en téléphonant? Oui, je suis en train de travailler. Ok, d'accord. Et monsieur et madame Zichem, vous êtes à la maison ou bien vous êtes aussi au travail? Il est à la maison, je parle. Monsieur et madame Zichem, okay. Vous êtes... Tu es à la maison? À Garoua? Je suis à la maison. Ok. Je suis à la maison, je suis encore à la Efray, maison. Efray, tu es à la maison? Hein? Yeah, ma. Moi aussi, on travaille. Michel. Ok. Oh. D'accord. On va prier pour vous. Hein? Bon. Tu veux dire un truc? Je me présente. Je suis la fausse. Quand tu es attiré, parle-moi. C'est alors là que tu viens crier dans la fosse. Il te suit vous-même. Vous suivez. Bon, je recommence. Je me présente. Je suis la fausse. Quand tu es attiré, parle-moi. Hein? Le moi te pousse vers moi. Et tu entres. Vous êtes proche de moi. Hein? Ils sont proches de toi. Le pied vient entrer. Vous suivez. Ok, ça va. On va. Oh, oui. Les dominateurs. Oui. Voilà les gens que tu as interpellés. Oui. Hein? Mets-toi debout. De quelle façon là? Mm-hmm. Oui. Mes amis me connaissent, non? Vous me connaissez, non?
Ils te connaissent comment? Dans les différents milieux où ils sont allés à la recherche de God. Uh-huh. C'est toi qu'ils ont trouvé là-bas, ou bien tes agents? C'est mes agents. Ce sont tes agents? Oui. Qu'ils ont trouvé là-bas? Oui, ma fille là-bas. Où? C'est à quelle main? Voilà. Celle-ci? Oui. Uh-huh. C'est? C'est ma fille. C'est ta fille? Oui. Toi, tu es qui? C'est ma fille. Tu es qui? C'est ma fille. Ne me pose pas de questions. Tu es qui? Elle va regarder sur YouTube. Hein? Tu es qui? Nous sommes les dominateurs. Les dominateurs? Pardon. Je ne sais pas ce que tu viens faire là. Non, vous êtes en deux groupes. Voilà les dominateurs. Nous sommes les dominateurs. Voilà les dominateurs. Nous Et vous êtes les dominateurs. Vous avez aussi des enfants. Oui. Et tu dis que... C'est ma fille. Celle de Suisse là est ta fille. Oui. Comment? Elle est née où? Qui l'a allaitée? Ce n'est pas nous. Elle est née où? Née physiquement ou spirituellement? Tu veux parler les deux. Elle est née au Cameroun. Nous sommes les dominateurs de Djongolo. Nous sommes les scribes et les pharisiens. De Djongolo, EPC. De l'EPC en général. Ah. Donc tous les gens qui sont nés à l'EPC, ce sont tes enfants. On se rassure de laisser une corde, un lien. Avance comme tu veux. Uh-huh. On va te rattraper. Pour elle, là, c'est quel lien que vous avez laissé? Quelle corde? On finit avec elle. C'est comme... la bouche. C'est? C'est sa langue. Sa langue? Sa bouche? Oui. Elle fait comment? C'est par là qu'on la tient pour la ramener chez nous. Comment? Comment elle utilise sa langue? Quand ça s'ouvre, c'est plus que le perroquet. Et ça dit ce que ça ne doit pas dire. On se rassure de laisser une semence, ce qu'on a appelé soit péché mignon, qui te connecte à nous. Ah. Ça, c'est le message qui concerne Stéphanie Frey. Stéphanie Frey, je crois que elle est connectée, elle est à l'écoute. Tu vois le père qui est en bas là avec les cheveux blancs là, non? Oui, le père Zitien. Il est dans un brouillard total. Il est dans une salle, non? Uh-huh. Avec la fumée noire. C'est comme ça que sa vie spirituelle, c'est à ça que sa vie spirituelle ressemble. Qu'est-ce qui a occasionné ça? Les mêmes choses dont on parle. Hein? Les mêmes choses dont on parle. Les choses qui les ont déstabilisées? Oui. Ah. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au +237 678 78 16 21, +237 242 00 20 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.